Ce son, c'est juste un freestyle, un exercice de fond que j'ai écrit les doigts de pied en éventail. Je travaille la rime et te retranscris ma vision de ce monde. En voici un échantillon. Millions à milieu de la misère, la consommation des milliardaires pourrit l'atmosphère. Déficit bancaire dans un trou de verre, aucun dealer n'a accès aux archives du monde des affaires. Pandémie de mythomanes dans leurs élections, aucune progression. La répression, c'est tout ce qu'ils savent faire. Depuis la rénovation du centre-ville, aucune amélioration dans ta vie populaire. Insurrection, y'a que ça à faire. Y'a quoi à perdre, regarde ce qu'on vit. Des croyants vont louer le Seigneur avec leurs économies. L'élite dans le viseur, automatique réflexe quand les fanatiques destructeurs parlent d'écologie. L'investissement de la NASA pourrait nourrir plus d'un continent si seulement les gens voyaient combien sont morts pour le confort du citoyen. Modèle plus grand criminel après l'État d'Israël. Caïn et Abel, la tour de Babel, mélange le tout et ça donne un sacré bordel. Tant de souffrance pour une tour de Pise, de pire en pire, mais qui tire les ficelles de la crise. Nerf de la guerre, mais qui les finance, qui tire profit des zones de conflit. La panse bien remplie, pique sous roupie, poussée par la dalle, les grenades se dégoupillent. Leur brigade se déploie, les hors-la-loi aussi. Mental de Viet Cong, de jour comme de nuit. La liste des victimes s'agrandit avec le 11 septembre et leurs crimes restent impunis. Costard braquage, peuple en otage. Vu qu'on est que de passage, tente un sabotage. C'est comme un privilège, un hommage à ceux qui y sont restés pour montrer qu'on a bien reçu le message. Hiver comme été, la neige tombe toute l'année. À toi de voir si tu la vends ou si elle finit dans ton nez. Mais t'auras jamais autant de coco dans les narines que Pablo a fait de cadeau à Medellin. Imagine le monde de John Lennon, le monde tel qu'il était à l'origine. Y'a les problèmes et les solutions. Coincé dans la vallée de la mort du Grand Canyon, sans GPS ni GSM, dis-moi où est l'évolution. Les nouvelles technologies nous rendent encore plus à la merci du système esclavagiste. Leur technique, t'enlever le morceau de la bouche pour te laisser sur la paille, l'euro un terroriste. Le savoir est une arme, n'est ni bon ni mauvais, mais tes intentions le sont. Chasser ou tuer, telle est la question. Si ta bouche est une arme, combien de personnes as-tu blessé? Je ne cherche pas de coupable, mais la voix de la raison.